Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler drones. Et plus particulièrement de drones à moins de 100 euros. Quand on débute, on n'a pas forcément envie de mettre trop d'argent dans son drone, de peur de l'abîmer rapidement. C'est pourquoi nous avons sélectionné les 7 meilleurs drones à moins de 100 euros. Mais avant de nous envoler, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les produits en lien dans la description. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Allez, c'est parti les amis, découvrons tout de suite les 7 meilleurs drones à moins de 100 euros. Avec sa forme ronde, on pourrait dire que le Potensic charme par son allure mignonne et enfantine. Destiné aux grands débutants, il permet de faire ses armes doucement avant de passer à de plus gros appareils. Pour autant, ce drone dispose de très bonnes fonctions pour un drone d'entrée de gamme. Il dispose notamment d'un mode d'itinéraire personnalisable. Ce mode permet de dessiner une ligne de vol sur la zone désignée via l'écran de votre smartphone. Le mode maintien d'altitude permet au petit drone de se verrouiller à une certaine hauteur et ainsi de faciliter son contrôle et de stabiliser l'image. Le mode induction de gravité permet de faire avancer le drone sans la télécommande. Le smartphone prend le relais et il vous suffit de diriger votre smartphone comme une voiture pour que le drone soit contrôlé. Un bouton pour le décollage et l'atterrissage permet de faciliter ce type de manœuvre, qui peut vite devenir chaotique pour les débutants. Grâce à ce bouton, le drone décolle ou atterrit doucement pour pouvoir le prendre en main plus facilement. Lorsque la batterie du drone est faible, une petite alarme se met à sonner pour prévenir l'utilisateur qu'il est bientôt temps de redescendre sur Terre. Le drone fonctionne à l'aide de piles rechargeables fournies directement avec l'appareil. Son altitude maximale ne dépasse pas les 30 mètres. Enfin, pour l'autonomie, il faudra compter 8 minutes. On continue avec ce petit appareil bicolore. Avec une belle allure, ce drone s'adresse également aux grands débutants. Il se dote d'un bouton démarrer-atterrir qui permet d'exécuter ses manœuvres automatiquement. Un autre bouton intitulé rentrer permet au drone de faire marche arrière parallèlement à sa trajectoire de départ. Il reviendra ainsi sur sa base. Si vous préférez, vous pourrez jeter en l'air le drone pour le faire décoller. Il est possible de maintenir le drone à une altitude choisie. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à gérer les déplacements horizontaux. Un mode dit « sans tête » est également disponible. Il permet de piloter le drone sans se soucier de la direction dans laquelle il va. Si vous êtes amateur de figures, le joystick droit vous permet d'exécuter des figures comme des flips avec votre drone. Des lumières LED sont présentes sur tous les contours du drone pour faciliter son repérage de nuit. Les hélices sont protégées par des cages en plastique pour limiter les dégâts causés en cas de chute ou de collision. De petite taille, le drone dispose d'une autonomie de 7 minutes et d'une portée de 30 mètres maximum. Enfin, la caméra du drone est capable de filmer en HD. Encore un autre drone idéal pour les débutants. Avec une allure plus pro, le drone paraît solide. Pesant moins de 1 kg, il pourra rapidement se faire emporter dans une bourrasque un peu violente. Sa manette est simple à prendre en main. La caméra HD permet d'obtenir des vidéos et des photos de bonne qualité. Le AMZ Tronic dispose d'un mode de maintien en altitude pour contrôler plus facilement la direction du drone. Un cadre de protection en plastique élastique anti-collision permet quant à lui d'éviter les gros dégâts lors de chutes ou de chocs durant le vol. Le mode itinéraire personnalisé permet de tracer un plan de vol depuis l'application mobile. Ainsi, le drone volera sans assistance. L'alimentation du drone est assurée par une batterie qui permet 10 minutes de vol environ. Enfin, des LED sont disposés un peu partout sur son corps pour pouvoir le voir de nuit ou de loin. Ce petit drone s'adresse aux débutants et aux pilotes intermédiaires. Il est équipé d'une caméra Full HD dotée d'un système anti-tremblement. Ce système permet de réduire l'impact des vibrations causées par le moteur de l'appareil. Le vol stationnaire est possible sur le drone. Il permet de faciliter le contrôle de l'appareil et surtout de pouvoir prendre des clichés plus nets.
Le drone est équipé de deux batteries modulaires. Chaque batterie peut prendre en charge 18 minutes d'autonomie. Le corps léger en plastique solide permet de prolonger le temps de vol. Cependant, qui dit plus léger dit plus sensible aux bourrasques de vent. Le drone est muni d'une fonction qui lui permet de rentrer à la base. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton et l'appareil rejoindra rapidement son point de démarrage. Un bouton d'arrêt d'urgence est également présent pour permettre de couper le moteur et les hélices de l'appareil en cas d'accident. Le drone peut être contrôlé depuis la télécommande ou depuis votre smartphone grâce à la connexion Wi-Fi. Sa distance de vol ne peut pas dépasser les 100 mètres. Avec 9 minutes de temps de vol et un temps de charge de 90 minutes, ce modèle est l'un des meilleurs dans sa catégorie. Il peut être contrôlé jusqu'à 80 mètres sans souci. De petite taille, ce drone pour débutants propose un look assez sévère et professionnel. Ce drone est compatible avec les casques de réalité virtuelle pour vous offrir une expérience 3D exceptionnelle. Le drone est équipé d'une caméra HD 1080p pour des vidéos et des photos d'excellente qualité. Le mode capteur de gravité permet au drone de se déplacer en suivant la direction dans laquelle vous déplacez votre smartphone. Cette fonction s'avère très pratique pour les débutants. L'appareil propose 3 modes de vitesse. Basse, moyenne et haute. La vitesse peut être modifiée au sol ou pendant le vol. Une fois que le drone se trouve à plus de 2 mètres du sol, il vous sera possible d'activer la touche 3D Flip. Le drone se lance dans des figures à 360 degrés dans la direction demandée. Le maintien et le verrouillage de l'altitude sont bien entendu présents et sont accompagnés de la fonction de trajectoire de vol prédéfinie. On continue notre route pour retrouver un autre produit Snaptane. Fabriqué à base de plastique renforcé, le drone est solide et ne craint pas les petits chocs. Il est doté d'une caméra FHD 1080p et d'un objectif grand angle à 120 degrés. Les vidéos et les photos sont plus nettes et plus claires. On retrouve la fonction de suivi de sujet. Étonnant pour cette gamme de prix puisque c'est une fonction souvent réservée aux haut de gamme. Le drone peut également être contrôlé par les gestes, notamment pour la prise de photos et l'enregistrement vidéo. Mais aussi avec votre voix, il suffit de lui donner des ordres en anglais comme take-off, landing pour que le drone vous obéisse. On retrouve le fameux bouton pour décoller et atterrir ainsi que le return to home. Quand la batterie est faible, la télécommande émet une petite alarme pour vous le signifier. Grâce aux deux batteries présentes, vous pourrez profiter de 24 minutes de temps de vol avant de devoir le recharger. On termine avec ce drone qui dispose de deux caméras. La caméra frontale grand angle est réglable et filme en HD 4K et la seconde se trouve en dessous de l'appareil. Le drone est également équipé d'un système de flux optique qui améliore la stabilité du vol et garantit la précision de pilotage de l'appareil. Ce dernier est équipé du Return to Home permettant de renvoyer le drone à sa base. Il propose également la prise de photo par simple geste et le mode sans tête, qui permet de le piloter dans toutes les directions. Après moins de 2 heures de charge, vous pourrez profiter de 15 minutes de vol à une distance maximale de 80 mètres. Léger mais robuste, il peut être transporté partout. Il faudra cependant faire attention aux bourrasques de vent qui peuvent emporter le drone. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Je vous rappelle que tous les produits sont disponibles en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité high-tech. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour découvrir de nouveaux objets high-tech. Prenez soin de vous, bye bye.